Ce résumé vous est présenté par FedEx. Et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Ça promet, Sané. Oh la vitesse, il passe, il va y aller avec la première frappe qui n'est pas cadrée, elle a été touchée, non, que le but est là. Il n'y a pas de faute là-bas, avec la possibilité pour Nunez. Non. Si. Non. Oh, demain, si. Ça ne pas. Si. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Quel arrêt, ce ballon. Tout le monde le voyait au fond, le stade de la Luz était enflammé en une fois. Sané, Müller, Lewandowski, ou tout seul. C'est pas passé loin. À lui, il le mérite ce but, hein, parce que franchement, Marc, il est intenable. Il est partout. Bah, il est passé. Là, Gonzalez, il s'est fait avoir par, j'allais dire, une bête feinte, mais là, elle, on se retrouverait. Il a été dévié ce ballon, hein. C'est Vlago Pino qui l'envoie sur le poteau. Mais on reverra tout à l'heure la fin de. Il a un nouveau passé quand même, mais il a mangé du lion là à la mi-temps quoi. Il joue avec et ils reviennent dedans. Et pourquoi pas là maintenant? Gonzalez, crochet, frappe, oui. Oh la belle! Splendide ce gardien, il est tout à fait exceptionnel. Quel arrêt, cette fois-ci main gauche. Première mi-temps c'était main droite, il rentre, impeccable ce qu'il fait, c'est but. Avec un autre gardien c'est but. Mais bien entendu. Et attention, il a déjà été averti Upamecano. Il y a Remchuk à l'arracher, allez Remchuk avec Upamecano qui fait l'effort. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Presque. Ah, le duel, il était beau. Ah, c'était superbe. Ça a été tout en puissance, à l'arraché. Et on a presque vu Nunez dévier le ballon dans le fond du filet. Alors, finalement, je pense que ça va être Sané. Ouais, qu'on enroule au premier poteau. Si c'est qui mise ses premiers poteaux. Ouf. Oh, c'est super. Fouf, quelle prise de balle. Gros plan s'il vous plaît, oh, sur la godasse de Sané au moment de l'impact, parce que là il nous a fait une frappe assez exceptionnelle. Pour qu'elle monte et redescende aussi vite, Benoît, oh, c'est exceptionnel. 11 minutes. Oh, elle est belle. Ah, elle est magnifique cette touche. Le centre en retrait, il est tout seul Sané. Oh, pas de chance. Pas de chance, cet autobut là. Everton qui vient d'entrer au jeu, mais là c'est pas de bol. Et le match est sans doute terminé. Et cette fois-ci définitivement, parce que je vois mal Benfica en inscrire 2. 1, ça me paraissait possible. 2, ça me paraît complètement. Là, je pense que le match est plié. Alors là, il passe, j'interromps parce que là, Gnabry, il y avait un bon dégagement de Neuer. Alors, l'appel, non, il n'y va pas, il va chercher. Et c'est le troisième. Il n'est pas hors jeu? Si, il est hors jeu. Non. Non, il n'est pas hors jeu, d'accord. Je pense pas. Alors, s'il est derrière le ballon, c'est 0-3 et ça commence à trouver. Vous avez dit qu'il pouvait gagner 5-0. Hein. Mm-hmm. Mais là, honnêtement, c'est un petit peu la débandade et c'est sans doute le quart d'heure de trop. Oui, c'est-à-dire on craque complètement. On craque complètement parce que psychologiquement et mentalement on n'est plus dans le match. Moi, j'ai peur que pour Benfica ce soit pas terminé. Parce que comme ils sont jamais rassasiés, ces joueurs du Bayern. Et en plus avec le mec qui arrive, je vous dis. Il reste 7 minutes. Hein.
il va peut-être y avoir encore peut-être plus que deux goals. Donc finalement, on a plus les deux raisons. Oui. Mais là, ça n'est. Je vous dis, dans cette position axiale, moi, il me plaît énormément. Et tout est juste, Benoît. Ah oui, tout est juste. Je l'appelle, la balle. Et maintenant, même pas tout juste, parce que là, il y avait encore. C'est un petit peu derrière lui, mais il parvient quand même à la redresser, Stanisic. Stanisic qui vient d'entrer, qui fait une entrée remarquable également. Ce résumé vous a été présenté par FedEx et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.